Ce matin, le WTC avait des allures de Fashion Week avec son défilé de mode pour promouvoir les créateurs locaux. Et sur scène, comme dans les tribunes, les hommes aussi ont participé à l'événement, car l'esthétique est loin d'être une exclusivité féminine. Il y a des choses qu'on peut utiliser pour les hommes. Moi, j'ai des cheveux d'une nature particulière et je peux trouver certains produits pour mes cheveux. Mais aujourd'hui, je suis simplement venu regarder et accompagner mon ami. Yoran n'est pas le seul à arpenter les allées du Black Beauty Festival. Certains en ont même profité pour jouer les modèles. C'est le dernier jour, j'avais pas le temps avant. Et comme ils proposent de se faire coiffer sur place, j'ai dit pourquoi pas. C'est une nouvelle tendance dans les salons de beauté. La fréquentation de la gente masculine a grimpé ces dernières années. C'est en tout cas ce qu'a constaté cette exposante. C'est une évolution que l'on voit depuis maintenant 5-6 ans, surtout au magasin également, chez Lina Desil, pour les soins capillaires, pour leur gel, pour la texture, pour le soin de la barbe, donc oui, et les tondeuses aussi également. Donc nous avons beaucoup d'hommes qui viennent nous voir, oui. Tout début, on voyait entre 5, moins de 5% de notre clientèle, et aujourd'hui, on est à presque 15-20. Soins capillaires, produits pour la peau ou encore épilation, autant de pratiques qui séduisent de plus en plus les hommes, même s'ils restent en grande majorité plutôt timides dans ce secteur. Pour l'organisatrice du salon, il reste quand même une barrière. Alors les hommes s'y mettent un peu, mais c'est souvent les femmes qui leur achètent leurs produits de beauté, parce que c'est vrai qu'on aime bien qu'ils sentent bon, qu'ils soient doux, mais c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu plus timides que les femmes, parce que c'est vrai qu'il y a même des tendances maquillage homme, il y a des choses comme ça, mais dirons-nous que l'homme, il est quand même un peu plutôt soin de beauté. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que les garçons s'épilent et ils font attention à leur peau. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est une tendance homme. Les hommes, nouveaux clients des salons de beauté, en attendant, le salon aura pu recueillir de nouveaux adeptes.